Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de South Park, l'annale du destin. Nous en sommes à l'épisode 18, j'espère que vous suivez toujours jusqu'ici. Et on devait changer de costume, je sais pas si changer de costume sur la voie ferrée est la meilleure des solutions. Je doute fortement mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Donc c'est parti pendant que j'y pense, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre un truc sympa. Alors je me suis mis un truc, voilà, bah oui, en super-héros tout simplement. En Wonder Woman, voilà. Bon, on va retirer les lunettes parce que bah, ça sert plus à rien. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Non, il n'y a rien d'intéressant. Ça m'inspire pas, le reste. Bref, nous avons terminé l'aventure de The Evil Within 2 qui était juste incroyable. On va pas se mentir là-dessus. En tout cas, moi, personnellement, j'ai kiffé. Et pour en revenir à South Park, on venait de vaincre deux méchants ninjas. Et très honnêtement, on s'en était plutôt bien sorti. On va utiliser une TP rapide juste à notre gauche pour pouvoir... Ah, mais ça sert à rien, non, ça sert totalement à rien. Wow! Ok. Ok, donc j'ai les ninjas au cul maintenant, c'est terrible. On va se casser. On va se casser par là-haut. J'ai les ninjas au cul, donc ils peuvent apparaître n'importe comment, n'importe quand, de n'importe quelle des manières. C'est des ninjas, après tout. Les ninjas, les gars, on leur apprend rien. C'est des machines. Allez, c'est parti, les gars. Alors, les chats, je sais pas encore vraiment comment les capturer. Néanmoins, je peux vous dire qu'au cinéma en ce moment. Oh. Il y a des gens de chez K.O. Très bien. Et je peux passer nous par ici. Nous sommes à beau K.O. aujourd'hui. Un K.O. digne d'un triple A. Ok, on va s'en occuper les gars. Ça fait un combat. Qui peut tenir tête au K.O.? Personne. Voilà. Hop, c'est bon. On les a tapés en plus de ça. Bah on a jeté sur eux, hein, littéralement. Donc, ils ont... le dégoût. Où sont les mignons? Qu'est-ce qui se passe? Normalement, ça devrait être assez rapide rejeté, ce combat. Les mignons du KO doivent être payés. Hop, lui déjà, on va le mettre clairement. Ah, quoique. Allez, lui, on va le mettre en sang. On va pas chercher midi 14h comme on dit nulle part, hein, depuis 30 ans. Les on va s'en occuper. Ah, il peut aller loin quand même. Hop, on revient en arrière. Et boum. Alors, t'es deg? Oh mon dieu, trop deg, faut la mise bien profond. Ok, ça c'est fait. Ça vous dérangerait pas d'aller plus loin pour vos gamineries? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouh, ça, ça fait mal. Ça, dégoûte plus saignement. Vous devriez travailler votre chorégraphie, cosplayer. Ok, ça c'est fait, il a plus que la moitié de ses HP. Ok, il va lancer des disques. Vous avez intérêt à nettoyer tout le sang. Pas trop mal. Les deux du fond font pas. Ah, attention quand même, le mec a 500 de vie. C'est un viseur, c'est qu'il fait de grosses attaques à mon avis. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça. On s'en débarrasse. Lui, c'est fait, on n'en parle plus. Maintenant, on va ici. Oh, dur. Ils m'ont eu par surprise. GG à eux. J'étais clairement pas prêt. Mauvaise nouvelle, Villa. Je suis un gentil maintenant. Ok. Eh ben, on va faire ça. Ça me paraît pas mal. Pour le chaos. Ça me paraît pas mal. Ça inflige pas beaucoup de dégâts, mais quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire? Lui, on lui a déjà mis saignement finalement. Et lui, on lui a pas mis. Pourquoi pas? Pourquoi pas s'attaquer à lui? Comme ça, ils sont deux à avoir saignement, aucun souci. Enlève ton déguisement, on s'appelle le vrai vendeur. Ah non, c'est lui en bas de qu'est-ce que tu dirais d'un petit KO gratuit, garçon cerf-volant? Oh, c'est chaud. C'est chaud. C'est bon, j'ai réussi à récupérer ma bille quand même. Je sens bien ce coup-là, okay. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal du tout, cette histoire. De bientôt mort. Ah, il dure la combustion qui fait effet. Je pense que Cartman va y passer, voilà. Misérable. C'est terminé. Non, je suis toujours là, je suis toujours là. Allez, 22 HP, les gars, toujours vivant. Genre, perdant, Eric. Ok, c'est pas mal. Lui, il me fait pas trop peur. Ça va. La combustion. Et ben, je pense que c'est terminé pour eux, les gars. Je pense, ou alors, je soigne les deux. C'est un risque à prendre. Et c'est un risque que je vais prendre volontiers. Je vais soigner mes deux compères. Histoire qu'il y ait... aucune mort finalement. Oh, le boulot. Cool. Hey, les mecs, vous voulez voir mon marteau de KO? Il est super cool. Ouais. Et ben regardez. Voilà. Voilà, c'est terminé pour eux les gars. Grâce à cet outil incroyable. Un autre ennemi succombe à la puissance du cône et sa bande. Je m'en suis débarrassé les gars. Ça c'est fait. Il n'y a plus que lui. C'est terminé pour toi. Je suis désolé. Mais c'est la mort. Tu es totalement mort. C'est terminé pour eux. Au moins on va être tranquille. Voilà pourquoi j'ai enclenché le combat. Puis ça va faire un petit peu d'XP aussi. Faut pas l'oublier les gars. Ok, tu as gagné victoire. Logique. Logique, j'ai pas douté une seule fois. Kit de roquette de KO. Et surtout 2,21$. Ça rapporte quand même pas mal de thunes. Ok, on est parti les gars. Donc un petit coup de sableuse. On n'en parle plus.
Voilà. Allez, boum, ça s'enclenche et ça part très vite. Boîte à outils, toujours bien munie. Je sais pas du tout où on en est dans le jeu, je pense quand même qu'on est vers la fin, on va pas se mentir. On n'a plus besoin d'alliés. On a le nombre d'amis maximum. On a quand même bien réparti les choses en 18 épisodes pour le moment. Donc là, je vois pas qui peut nous rejoindre vraiment. Je pense que réellement, on s'approche de la fin. Pas dit non plus que c'était la fin, mais quand même. Hop, ça on prend. Bougez pas les gars. Ça, je l'ai pas découvert, très intéressant. On le découvre pour la prochaine fois. Maison de tokens. Ok, ça c'est fait, c'est cool. Bon, et ben on y retourne. On était déjà passé par ici. T'as réussi. Ok, on était passé par ici, mais c'était l'épisode qui avait totalement bugué, les gars. Malheureusement, vous avez pas pu le voir, et ça, c'était bien triste, donc on y reparti. La voici, l'école des potes de la liberté pour jeunes surdoués. Ah, j'avais déjà quasi tout fouillé, je sais pas si vous voyez là. Allez, hop. Ouais, il y avait peut-être un sac là qui était pas évident à voir. Je savais pas du tout comment l'avoir, celui-ci. Est-ce que... Eh ben voilà, en passant par là tout simplement. Aucun problème, allez, on récupère. J'avais pas réussi à le trouver, mais je pense que je voulais pas... Bon, j'avais la flemme d'aller là-haut. D'ailleurs, il y a quoi là-bas? Il y a rien, il y a strictement rien. Et là-bas, il y a rien non plus, très bien. Ah, bougez pas, il y a quelque chose. Non, rien d'intéressant. Il y a vraiment rien d'intéressant. Je sais pas pourquoi ils ont fait une aussi grande cour. Du moins accessible, c'est parti. Go ! Ouais, mais ça va, oh ! Par ici, bon kiki. Ok, on est reparti, on va le follow. Attendez, attendez. S'il y a du yaoi, moi je suis preneur, les gars. Ha ! Leur porte secrète était donc là. Ha ! Ils pensent pouvoir arrêter le professeur K.O. avec une sorte de terminal. Je peux tout pirater. Ok, correspondance trouvée, c'est parti. On va envoyer un hamster à la puissance de mon père. Par ici, petit mignon. Vas-y. Oh, c'est bon. On charge. Ah, j'ai mal chargé, désolé. Je calerai mieux la prochaine fois. Ouais, mais c'était pour ça. Il était mal calé, les gars. Il était mal calé. J'avais pas assez serré les fesses. On charge. Ça, c'est bon. Et ben voilà. Aucun souci, les gars. Ça a marché. Donc, on va infiltrer les potes de la liberté. Je sais pas du tout ce qui peut se passer, mais on doit les convaincre. C'est parti. Wow, la vache. Vise-moi un peu ça. Ça, c'est une base de super-héros. Purée. Ils ont même une salle d'entraînement, des ordinateurs, des lumières. Vas-y, trop la honte pour la base du coup. Allez, nouveau. Je pourrais venir y jouer tous les jours. Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, et ben... Salut, Mysterion. On espérait simplement parler au professeur Timothy. Pourquoi? Ah, le nouveau veut changer de franchise. Je lui ai dit que je l'aiderais. Salut, le nouveau. Je me doutais bien qu'on finirait par te voir. Ils sont venus espionner les travaux de Timothy. Moi, je dis qu'il faut leur défoncer la tronche. Gardez tous votre calme. Écoutons ce qu'ils ont à dire. Oh putain, c'est lui. C'est un retournement plutôt surprenant de votre part, professeur. Vous souhaitez réellement changer de franchise? Ben ouais, vous savez, on trouve juste que vous savez, votre franchise a l'air plus ouverte, plus progressiste. Ah, en fait, on pensait juste switcher parce qu'avec le coup des sabandes, on ne va nulle part au fond. Ben, le nouveau est venu me voir et il m'a dit comment faire pour quitter le coup des sabandes. Et comme je les déteste, j'ai décidé de l'aider. Vous avez trouvé quelque chose? Le papier à l'œil sur son casque bloque mes facultés, semble-t-il. Ne leur faites pas confiance, Doc. Il faut pas qu'ils voient le fruit de vos travaux. Et si le nouveau veut vraiment switcher? On peut voir si les intentions du nouveau sont pures. Aujourd'hui, Tupperware est en charge d'une mission très importante. Vous pouvez l'assister. J'ai pas besoin de renfort, surtout pas un novice. Du calme, Tup. Rappelle-toi la devise des potes de la liberté. Ouais, punir sans bannir. Je vous enverrai les détails de la mission. On commencera quand vous serez sur place. Entre-temps, je dois reprendre mon travail. Tu as franchi la ligne. Les salut potes vous, de la liberté débloqués. Des potes de la liberté. D'accord, donc je suppose qu'on va jouer avec Tupperware. Alors, est-ce que c'est pas l'occasion parfaite par hasard? Le professeur se fera une joie de faire un selfie avec son nouvel allié. Évidemment, évidemment. Il est temps, les gars, on va faire un selfie avec Butters et compagnie. Et on va pouvoir aller directement. Faire tes preuves avant qu'on fasse ça, le nouveau. Ok, fais tes preuves avec qu'on fasse ça. Bah, lui, on peut pas, malheureusement, boîte à outils. Tupperware, il a quand même une combinaison assez incroyable. On peut rentrer là-dedans. C'est la traînée gros. On trouve les potes de la liberté à la maison de retraite de South Park. D'accord. Ah, pas mal la training room. Ils l'ont quadrillé. Joli, les gars. Pas si vite. Prouve d'abord que tu veux être ici. Okay. Tout va beaucoup trop vite dans cette ville. Ok, pas de souci. Bon, les gars, vous savez ce qu'on a à faire.
On va juste se TP à la maison de retraite. Aucun problème. Maison de retraite, il est juste à côté. On va se faire attaquer par des ninjas, je pense. N'oubliez pas que finalement, le grand méchant, bah, c'est la main de Cartman. Donc là, c'est assez terrible. C'est celle qui a kidnappé normalement tous les chats. À la base, on est quand même parti sur un kidnapping de chats. C'est ça le plus terrible, je pense. Et on va jamais revoir le bout. En tout cas, ça va être une issue assez dingue. Ok, c'est ici. Hein. On y est à la maison de retraite. Par ici! Très bien, écoute, ceci est une mission très importante. T'es d'attaque? Eh bien, ramène-toi! Les potes de la liberté, en avant! Nous sommes là pour le service communautaire! Oh, formidable! Écoutez, des enfants de la ville sont venus nous chanter des chansons. Quoi? C'est qui? J'aime caresser mon triangle, fait. Quand je suis triste, j'aime entendre mon triangle faire. Ça me remonte le moral. Et me fait sourire. C'est nul. Désolé les amis, il est nouveau. J'aime caresser mon triangle, fait. J'aime caresser ma mandoline, fait. Okay. Quand je suis triste, j'aime entendre ma mandoline faire. C'est un jeu de rythme, donc... Ça monte l'oral. Et me fait sourire. Descends de la scène. Quoi? J'aime caresser ma mandoline, fait. Oh, je maîtrise. J'aime caresser mon bugle, fait. J'aime caresser mon bugle, fait. Oh, 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 le bordel que ça va être. Quand je suis triste, j'aime entendre mon bugle faire. Ça me remonte le moral. Oh, c'est dégoûtant. Et me fait sourire. Il y en a une qui est en train de vomir. Nul. Mais stop, c'est bon. Mais stop, les gars. Hé hey, c'est lui. C'est le justicier péteur des infos. Hein? C'est le môme qui confisque les drogues en ville. Le justicier veut nous voler notre père Cossuet. Ouais, hein? Allez, on est parti. On va se battre contre eux. Bah, des personnes âgées. Ah, tu sais bien énervé, c'est pas vrai. Oh, okay. Seigneur, faut qu'on rejoigne la sortie, cher pape de la liberté. Le but est donc, enfuis-toi de Shady Accuse. Ok, donc le but, c'est de s'enfuir. Ben voilà. Oh, le lourd. Qu'il est lourd. Oh, bordel, mais qu'est-ce qu'il faut? Bonne nouvelle, tout le monde. J'ai mon bouclier. Allez, ciao. C'est trop marrant, ces trucs de super-héros. C'est mon tour! Ok, ça n'a pas servi à grand chose. Dakodak, bon! Qu'est-ce qu'on peut faire finalement? On peut faire ça. Est-ce que c'est vraiment bien? Je ne sais pas. Je ne saurais peut-être jamais, mais on doit le faire. Parce que. Ah non, c'est juste un sort. Ok. Bon, on va faire ça comme ça dans l'attaque 2. Ah la vache, c'est pas mal. Je suis chargé. Écartez-vous ou je vais froisser vos vêtements. Ok. Très bien, très bien. Alors là, on a un problème. On a un problème parce que j'ai pas des attaques qui me permettent d'aller vite. C'est pas grave. On essaye d'avancer comme on peut. J'ai pas du tout ce qui m'attend. Je saigne. Je leur mets ce qu'elle mérite quand même. Lui, il a l'air balèze. Hein. Ça a l'air d'être le plus fort des vieux. Pas grave, je prends volontiers. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Qu'est-ce qu'elle sort? Ah, c'est son truc où elle pisse dedans. C'est sa poche d'urine. Ah, poche urinaire, d'accord. Oh, ma tête commence à tourner. Ok. On avance, hein, on continue d'avancer. Aucun souci. Bon, on va faire ça. Ouais, on a le dessus. Allez, ça c'est fait. On va pouvoir avancer calmement. Je pense qu'un seul suffit. Protéger les innocents, appliquer la loi. Ah putain, ça c'est terrible. Ça, qu'est-ce que ça peut être? Pichtrement aucune idée. Ça met de l'eau quelque part, sûrement
un trape. Ou alors je fais ça. Et ça, c'est cool. Je sais pas ce que j'ai fait. Ramène tes fesses. Ouais, pas mal. Eh ben, c'était une frappe de première. Ok, c'est pas mal. Et en plus, ça met un bouclier. J'ai inversé. Ça, c'est cool. Ok. Wow. C'est pas grave. Je prends l'attaque volontiers. Sacré coup de volant. Ouh, ça pique. Ok, je prends. Qu'est-ce qu'il va faire? Je gère. Bon. Là, c'est compliqué. On va faire ça. Les tempêtes se préparent. Je vais leur mettre choc encore une fois. Préparez le défibrillateur. Il y a Tupperware qui est bientôt de l'autre côté. Ok. On va faire cette attaque incroyable de ninja. Ah, Seigneur. Il est pas mal. Du sang me fait des failles. Oh non, les gars. Encore tes grands-parents. Ça va être compliqué. Oh là là. C'est une invasion. Ah, en voilà d'autres. Attendez. Je pense qu'on peut faire... un retour arrière sur le désolé coup. Désolé pour ton tour. Sinon, ça risque d'être très compliqué. Personne cette histoire. Personne n'aurait un sparadrap. Ok. Aïe. Je peux faire quoi? Pop. Cette demoiselle, comme ça, elle m'attaquera. Elle attaquera les autres. Ça me paraît pas mal si je mets confusion. Ok, embrouillage. C'est faisable. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. Finalement, est-ce que c'est pas mal ça? C'est mieux, hein? Hop, on prend sa place. Un à la sortie, normalement. Oh, ça suffit maintenant. What? Ça suffit pas! Aïe! T'as pas intérêt. Voilà, ça c'est GG. Agresseur neutralisé. Ça c'est GG aussi. Aïe! Hey, j'ai été bonne sœur. Ok, ultime prêt. Notre probabilité de survie est de 90,6%. Ok. C'est quoi, on va se mettre ici calmement. Ça me paraît pas mal. Et on attaque. Allez, go. Ok, c'est pas mal ça. Il y a beaucoup d'électricité de leur côté. Oh non, bah ouais, ils vont me tuer, putain. Non, c'est bon, ils peuvent pas vraiment me tuer. Je pense pas. On peut le faire, les gars. En voilà d'autres. Aïe, c'est compliqué. Aïe. Attention, Trouduc, ce que je vois ne me rassure pas du tout. Là, à part la mort, je vois rien d'autre. Non, en voilà d'autres. Aïe. Quoi? Ces jeunes, tous des larmes. C'est compliqué, les gars. Regardez celui-là, allongé par terre. C'est réellement compliqué. Oh là là. Ok, on va faire cette attaque. Je suis toute flagada. Elle paraît pas mal. Ils sont je sais pas combien. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est bien ce que je fais? J'en ai pichement aucune idée, messieurs. Je veux juste vous dire que là, c'est la mort de beaucoup de personnes. Petite saloperie. Normalement, ça devrait le faire. Calcul de vecteur HP, séquence d'attaque entamée. Mais je suis déjà dans la zone, les gars. Ça, c'est quoi, ça? Et si je fais ça? Non, et si je fais ça? Je ne sais pas c'est quoi. Qu'est-ce que c'est? J'en ai pichement qu'une idée. Une tourelle! Damn! Je vais envoyer une lettre bien sentie au journal à propos de vous, sale gamin. Ouais, je vais mourir. Hein. C'est la fin. C'est la fin pour le joueur thaïlandais, les gars. Ok, c'est pas mal. Elle attaque la tour. Peut-être une grave erreur. Eux, ils sont confus. Oh là là, c'est compliqué. Oh, ils me barrent la route. Non, les mecs, abusez pas. Ok. C'est pas mal. Lamentable mais logique pour les ennemis. C'est pas mal. De la liberté. Je sais pas si je vais m'en sortir. Manœuvre d'attaque initialisée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut pas faire grand chose, hein, mis à part ça, peut-être. Juste histoire de dire. Super tornade. Je pense que c'est surtout le héros qu'il faut amener là-bas. Oh, c'est pas mal. Ça fait un repoussement, ça. Ok, y'a personne attaqué.
Ok, personne n'a attaqué. Ah d'accord, ok, ça se met blocage. Aïe. Ok, ça se met blocage. Non. J'ai gagné ou pas? J'y suis dans cette zone. On a réussi. Ah bah voilà, d'accord. Fallait juste attendre que le reste tombe. Au final, le combat était long pour rien, étant donné qu'il a une technique qui permet de se TP à la place de quelqu'un d'autre. C'est un petit peu bête ce qu'ils ont fait. Mais bon, les gars, c'est pas grave, on ne juge pas. Le combat s'est éternisé gratuitement. Voilà, c'était pour vous. Doc, ici Mysterion. On a eu des problèmes, mais mission accomplie. Bien joué, tout le monde. Félicitations, nouveau. Te voilà officiellement membre des Potes de la Liberté. Tu peux venir avec nous ce soir pour la mission au poste de police. Nous avons établi que la police était payée par le patron du crime de cette ville. C'est vrai. Nous pensons que nous trouverons les réponses là-bas. Bienvenue dans l'équipe, mon ami. On se voit ce soir. Ne dis à personne qu'on va au poste de police. Ok, retrouve les Potes de la Liberté. Est-ce que une je peux seconde. Avoir un choix? Mec, un coup de maître, le nouveau. Attention, à toute la bande. Venez au repère du cône. On a découvert ce que savent les Potes de la Liberté. Toute la bande au repère du cône. Super boulot, truc. Ok, je pense qu'on risque d'avoir de sérieux problèmes. Origine 4, prologue Omega. J'ai pas de puissance nécessaire. Bougez pas, on va y remédier très 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 rapidement. Je pense que ça sera limite la fin. Ok, on va mettre ça. J'ai un de plus puissant. Là non plus. On va mettre ça. J'ai rien de plus puissant non plus. C'est compliqué. C'est compliqué, les gars. J'ai toujours pas la puissance nécessaire. Alors là, il y aura des choses à faire. Il va y avoir du farm à faire, à mon avis. Mais j'essaierai bien quand même. J'essaierai bien. Ah, il y a quand même 50 de différence, 50 c'est énorme. Sauter dans la salle des scellés quand on aura pincé le vengeur. Comment faire? Comment faire, les mecs? Gagner un niveau rapidement. Bah, se battre. Nouveau, je t'emmène où? Honnêtement, se battre. Faut filer, je vois que ça. Vite. Et gagner de l'XP, gagner un niveau. Sinon, ça risque d'être très 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 compliqué. Et ça le sera certainement d'ailleurs. Ok, par où on peut passer alors? C'est moi, le professeur K.O. J'ai un léger problème, le nouveau. Tu sais, ces mignons immigrés que j'ai engagés, bah, je peux pas les payer parce que vous avez ruiné mes plans et moi-même, j'ai pas été payé. Et donc, il y a quelques mignons qui sont énervés. On peut se voir à la banque, ce serait vraiment sympa. K.O. terminé. Ah, pas mal. Ok, K.O. il est où? Eh ben, on y va. On y va de ce pas, les gars, c'est reparti, on se re-TP. Direction la banque, on va faire la mission de K.O. Parce que ça va nous permettre de gagner de l'XP et ça va être plutôt cool. Donc clairement, je pense que là, prologue, c'est notre dernière mission. C'est notre dernière mission, on est à la fin du jeu, les gars. Et voilà. Donc on va faire 2-3 missions annexes. Et dès qu'on a le niveau nécessaire, et ben on est parti. Regardez, j'ai plus vite que lui. Putain, tu bloques, mec. Ton précieux système financier international va être réduit en cendres. Je vais m'en occuper, ne bougez pas. Hop, ça on analyse très vite. Et je peux peut-être même acheter à des distributeurs des artefacts bien plus intéressants. Qu'est-ce que tu fais ici? Ok, vas-y, aide-moi, frérot. Ah non, mais il a pas dit direction la banque. Tu crois que ça changera quelque chose? Ah si. C'était juste qu'il les avait en otage. Très bien. Joli. C'est pas grave. On s'en c'est occupe. Pas juste. Je savais pas que ton postérieur avait de vrais pouvoirs. Je me tire. Ok, c'est parti, les gars. Ah, le nouveau, par ici. Vous voyez? Il est là. Merci d'être venu, le nouveau. Très bien. Alors, ceci est la personne qui doit signer avec toi? Eh ben, c'est bien ça. Vous voyez, j'ai engagé des mignons pour m'aider à détruire la ville. Mais mon plan n'a pas porté ses fruits et je n'ai pas de quoi payer ces mignons. Bon, eh bien, ce que nous pouvons faire, c'est créer pour toi une société qui servira à alimenter un compte co-signé par ton ami, dont la maison servira de garantie à une société d'investissement à l'étranger. Et c'est parti! Qu'est-ce qui est parti? La maison de ton ami. Elle est partie. Elle appartient à une société de Hong Kong maintenant. Merci et bonne journée. Mais je voulais juste payer mes mignons. Je ne voulais pas qu'on prenne la maison de mon ami. Oui, tu n'es pas très doué pour ce petit jeu économique. Peut-être que ton ami devrait jouer. Ouais, vas-y, joue le nouveau. Elle tourne et tourne, on ne sait pas où elle va s'arrêter. Vas-y, petit, tente ta chance. What? Tente ta chance et fais tourner la roue. Obtiens des bonus pour gagner de l'argent et rejoindre la classe économie en évitant la banqueroute. Qu'est-ce que c'est que ces conneries?
Ouais. C'est parti, où va-t-elle s'arrêter? Seul le générateur de nombres aléatoires le sait. Mais ça va être fake. Stop sur avancement de classe et passe au prochain niveau économique. Arrête mais la roue avec tes compétences. Et tu redescendras d'un niveau. D'accord. Ok. Crotte de bique alors? Qu'est-ce que ça va donner? Du soja à terme. Tu as le bonus d'investissement réactif. La prochaine case sur laquelle tu tomberas vaudra le triple. Ok. Ok, j'ai compris. Investissement. Tu as un nouveau bonus. Bah, peut-être le multiplicateur, non? J'ai envie de le tenter. Étant donné que c'est le moment, il y a beaucoup de cases. Ouais, utilise ce bonus. Oh, j'ai peur. Et tu arrives. C'est bon. C'est beau, ça c'est fait, les gars. La roue de la chance a marché. Et on a un gagnant. Ces gamins viennent d'obtenir un prêt de 80 000 $ pour payer des mignons. Vous aussi, vous pouvez gagner. Continuez à jouer. Voilà le chèque, petit. Ouah, merci beaucoup, le nouveau, t'es vraiment doué pour ça. Allez, viens, on va donner ça à mes mignons. Quoi? C'est tout? Qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Ok, ça part en couille de ouf par ici. Bon, bah, on va donner le chèque aux mignons, mais je pense que ça va partir en couille. Oh, ça, je prends. Parce que c'est du yaoi, évidemment. Habitude de chevet. Allez, on est parti. C'est les putains de gamins qui ont payé les travailleurs immigrés. Ouais, ils ont carrément pris un emprunt pour payer ceux qui viennent du Mexique. Vous savez ce que ça veut dire? Ils ont pris nos boules. Attendez, je croyais qu'on était en colère à cause de leur choix de genre et de sexualité et de tout ça. Non, ça c'est les autres gars. Nous on veut juste récupérer notre travail. Oh, bah on récupère notre travail et on se moque de leur forme d'identification personnelle. Allez, il était là le combat, les gars, il s'est caché par ici. On allez, est parti. On trouve ce que valent des minions made in America. En parlant de minions. C'est la beaufrie américaine, ça, les gars. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire ça, par exemple, ça me paraît pas mal. Ah non, je peux pas le faire, merde. Mm-hmm. Ah, je peux invoquer, c'est pas mal. Ok, regardez ça. On va invoquer un membre du chaos. Il a pris nos boulots de minions. Il a pris nos boules. Ok. Pris nos boules. Ok, c'est pas mal. Ça inflige peu de dégâts, mais. Mais quand même, c'est mieux c'est que rien. C'est n'importe quoi. Je vais vous botter le cul. Ok. C'était terrible ce qu'il allait faire, le mec. C'était terrible. Désolé pour ton tour. L'Amérique a été bâtie par des Américains, pas par des minions. Micro-agression. On allait tous s'entretuer. Ouh. Ça inflige pas mal, ça. Qu'est-ce qu'il fait? Fuego mal! Fuego malo! L'Amérique, aime-la ou va chier, socialiste! Pas trop okay. Que quelqu'un intervienne. Les gars, ça risque d'être un peu plus compliqué que... Vois-tu? Prévu. Tire-toi! Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu de voiture. Ah, ok, ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Bon, on va faire les choses en ordre. Déjà, je pense que ça... ça me paraît... Oh là là, c'est compliqué. On va soigner le frérot. On va soigner le frérot, tout simplement. C'est l'heure de la douche. Voilà, aucun tiens, souci. Soigne-toi. Maintenant, on va devoir les faire un par un. Ça risque d'être assez compliqué. Ça veut dire que je peux qu'on en a validité. Il faut vraiment réfléchir. C'est l'heure de sortir son Tupperware. Ok, monsieur Tupperware, vas-y, fais-moi rêver. Tiens, on peut faire ça par exemple. Non, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal tout ça. J'aime bien leurs compétences. Faut réfléchir, on peut mettre des tourelles et tout. C'est plutôt cool. Ah bah, y'a personne. Dur. Je l'ai mis au centre. Mon marteau infligera le chaos à tous ceux qui me défieront. Ok. Ça, ça me paraît pas mal. On va le faire. C'est parti. Allez, bon, vous aurez compris, l'objectif est de prendre un niveau. Tiens, on va prendre... je vois pas, putain, il peut pas faire grand-chose. C'est mieux que rien, 40 points, mais quand même. Pas vraiment 40 points, 60 presque. Ma peau est muy rojo. Aïe.
Là je peux pas annuler, hein. Je peux rien faire. Qu'est-ce qu'il fait là? Aïe aïe aïe, embrouillage, ça va être compliqué. Les potes de la liberté gagneront. Ça va être très compliqué ça. Ok, le choc a tué, c'est pas mal. Protège ton rectum, Seigneur Peter. Ça va, ça va, ça va, ça va. Le temps va tourner. Bon. Ouais. Il y a un petit souci, les gars. Il y a un petit souci qui me plaît moyennement. Et si je fais ça, ça met en glaçon. C'est compliqué. Non, j'ai plus envie. J'ai plus envie, regardez, de soigner mon ami ici. Histoire qu'il soit vraiment full life à chaque fois. On va essayer comme ça, on va essayer cette technique. Parce que là, il y a notre pote au-dessus. Il est embrouillé, il est pas bien, il voit flou. Ça, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Il a trouvé son plus saignement normalement. Il va clairement prendre ce qu'il mérite. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ok, on va le tuer. Attention, tu pétonnades. Allez, deux en moins. Moi, c'est notre poteau qui me fait peur là. C'est Mysterio. Il risque de faire des trucs pas très cool. Et il risque surtout de me faire très très mal. C'est à moi les mecs, faites de la place. Okay. Ah, c'est bon. D'accord, à défaut de pas pouvoir attaquer quelqu'un qui est juste à côté. En fait, il attaque vraiment. Ouais, voilà. Bon. Il attaque le mec le plus proche. Et là, c'était l'adversaire, donc tant mieux, celui qui était sur sa ligne. C'est plutôt cool. Il en reste plus qu'un en plus dans cette histoire. Qui veut une glace? Ok, bah aucun problème. On va le glacer. Détends-toi un peu, d'accord? Ça fait quoi, congélation? Ok, maintenant on va lui mettre saignement. On verra bien ce que ça fait. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Ça, je peux le faire, mais pas maintenant. Ah, c'est dommage, j'aurais bien voulu voir ce que ça donne, c'est pas grave. Touché. On va switch, ça sert à rien finalement, je sais pas pourquoi j'ai fait... J'en suis mieux ici. C'est peut-être... Ah, c'est pour le bouclier, d'accord. Ça me protège encore plus. Ok, on a Mysterio qui va l'attaquer normalement. Oh, bon sang, ça va être un sacré... L'attaque, c'est bon ça. Et il se met confus le mec, très très bon. Ok, un bruit à coup choc. Maintenant. Saignement, congélation, choc, bon, tout ce qu'il faut. Enragé en approche. Lui, on a déjà vu son ulti. Ce serait dommage de le revoir quand même, on est bien d'accord. Donc voilà ce qu'on va faire. Ben, on va passer le tour. Parce que j'ai envie de voir l'ulti de notre poteau. J'espère que je vais pas le tuer. C'est bon, il je vais pas loupé, tuer. Le nouveau. J'ai envie de voir l'ulti de Tupperware. Oh, j'ai passé, je suis vraiment un connard. Insultez-moi. Oh putain, mais j'en ai marre. Allez, c'est parti. Bah tiens, hé. On peut le refaire. On peut refaire un petit tour. On peut refaire un petit tour. Et il est mort. La victoire avec ah, ta dur glace. Dur. Sans qu'une tempête approche. C'est pas grave, c'est une victoire quand même, les amis, même si j'ai pas fait les choses correctement. Encore deux combats et je pense que bah on aura le niveau supérieur. Ah, pas cool. Ça me chagrine de pas avoir assez de boulot à confier à mes mignons. Mais merci encore de nouveau. Qui sait, peut-être qu'on fondera notre propre légion de super vilains maléfiques un jour. Ce serait top, non? Bye. Et on va s'arrêter là la prochaine fois qu'on se voit, les amis. Ben, on est parti pour la fin du jeu, tout simplement. On attaquera la CFC1. Je vais monter d'un niveau en off, histoire de pas trop vous embêter. Et puis, ça sera sûrement la fin du jeu qui sera en un ou deux épisodes. A très bientôt pour l'épisode 19. Portez-vous bien. Et bisous tout le monde. Ciao, ciao.